Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous partager mes pronostics pour l'Euro 2020 qui arrive à grands pas. Pour cette vidéo, j'ai utilisé le site de Libération qui propose une sorte de simulation de cet Euro 2020 en fonction des résultats que vous y inscrivez. Puisque comme vous le savez sans doute, tous les matchs sont pré-établis à l'avance. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Donc on va commencer avec les phases de groupe. Alors pour le groupe A, on a la Turquie, l'Italie, les Pays de Galles, la Suisse. Le groupe B, le Danemark, la Finlande, la Belgique et la Russie. Donc comme vous voyez, à première place, deuxième place, je vais pouvoir inscrire mes pronostics donc pour ces groupes. On enchaîne ensuite avec le groupe C qui comportera les Pays-Bas, l'Ukraine, l'Autriche et un barragiste. Donc ce sera le B4 comme vous pouvez le voir. Et le groupe D, l'Angleterre, la Croatie, la République Tchèque et un autre barragiste. Et ensuite pour les deux derniers groupes, le groupe E, on a l'Espagne, la Suède, la Pologne et un autre barragiste. Et enfin le groupe F, le groupe le plus chaud entre le Portugal, la France, l'Allemagne et... Alors voilà, j'ai pu faire mes pronostics. On va commencer par le groupe A et le groupe B. À la première place du groupe B, je pense que c'est l'Italie qui va remporter son groupe, suivi par l'équipe de Suisse qui va pour moi battre les deux autres concurrents de ce groupe, c'est-à-dire la Turquie et les Pays de Galles. Dans le groupe B, j'ai mis en premier la Belgique et en deuxième la Finlande, qui pour moi pourrait réaliser un exploit en se qualifiant juste devant la Russie et le Danemark, l'équipe menée par Christian Eriksen notamment. Pour le groupe C et D, j'ai décidé de mettre le Pays-Bas et l'Autriche comme premier et deuxième du groupe C et l'Angleterre et la Croatie, dernier finaliste de la Coupe du Monde, en premier et deuxième pour le groupe D. Pour le groupe E, j'ai mis l'Espagne première et la Suède deuxième. Et pour le groupe F, j'ai décidé de mettre l'équipe de France à la première place. Et c'était très chaud entre le Portugal et l'Allemagne, mais je pense que c'est quand même l'Allemagne qui va se qualifier vu sa très bonne campagne de qualification. Alors maintenant, il reste encore des qualifiés à choisir. Ce sera les meilleurs troisièmes. Vous avez à l'écran tous ceux qui seraient en lice. Et donc, je vais pouvoir vous exposer ceux que j'ai choisis qui pourraient être donc les meilleurs troisièmes à se qualifier pour les 8. Je pense que déjà dans le groupe A, on pourra avoir l'équipe du Pays de Galles qui pour moi pourrait finir dans les meilleurs troisièmes, donc se qualifier pour les 8e de finale. Je pourrais aussi avoir le Danemark que j'ai choisi qui pourrait également se qualifier, ainsi que le Portugal dans le groupe F. Également, j'ai visé sur un exploit d'un barragiste qui pourrait également se qualifier. À l'écran, vous avez donc les 8e de finale, France, Danemark, Croatie, Suède, Belgique, barragiste 3, Espagne, Pays de Galles, Angleterre, Allemagne, un très beau choc. Pays-Bas, Portugal également. L'Italie affrontera l'Autriche et la Suisse, la Finlande. Nous allons désormais pouvoir passer aux résultats de ces 8e de finale. La France va pour moi gagner contre le Danemark. L'Espagne va s'imposer face au Pays de Galles. La Croatie va se défaire de la Suède. L'Angleterre va battre l'Allemagne dans le choc de ses 8e de finale. La Belgique va battre le barragiste 3. Le Pays-Bas va battre le Portugal. L'Italie va se défaire de l'Autriche et la Suisse va battre l'Allemagne. Tous ces matchs terminés, on va pouvoir désormais passer aux quarts de finale qui vont nous proposer de très belles affiches. La France va recevoir la Croatie, un remake de la dernière finale de Coupe du Monde. Belgique face à l'Italie, Espagne, Angleterre. Et sans trop de surprise, je pense que la France va s'imposer face à la Croatie. La Belgique va perdre contre une très bonne équipe d'Italie pour moi. L'Angleterre va s'imposer face à une trop jeune équipe d'Espagne. Et les Pays-Bas vont pour moi également s'imposer. Ils vont s'imposer face à une bonne équipe de Suisse, mais qui malgré tout n'aura pas la capacité nécessaire pour se hisser en demi-finale. Dans cette demi-finale, on retrouvera justement un choc entre la France et l'Italie et un autre entre l'Angleterre et les Pays-Bas. Je pense qu'à ce stade, on a les 4 favoris pour remporter la compétition. Ça a été très dur de les départager, mais malheureusement pour tous nos Français, je pense que l'Italie va battre l'équipe de France, tout comme l'Angleterre va battre les Pays-Bas. Je pense que la France n'aura pas une nouvelle fois les moyens pour aller en finale. Mais bon, vraiment, c'est les 4 favoris. Je pense que j'aurais très bien pu mettre une finale entre la France et les Pays-Bas. Pour moi, ces 4 équipes sont celles qui ont le plus de chances de gagner. On aura donc une finale pour moi entre l'Italie et l'Angleterre. Et bah, vraiment, j'ai beaucoup de peine à choisir un gagnant. Ce sont deux très très bonnes équipes que je trouve vraiment beaucoup en forme. L'Italie qui renaît vraiment de ses cendres et l'Angleterre très très bon également. Mais si je devais choisir un vainqueur pour ces pronostics, ce serait l'équipe d'Italie qui pour moi a le plus de chances actuellement de remporter l'Euro 2020. C'est vraiment une équipe que j'apprécie beaucoup ces derniers temps. Je trouve qu'ils font des matchs super, un football super, et donc c'est pour ça que je les vois eux ailleurs s'imposer dans cette compétition avec une équipe plutôt jeune avec beaucoup de talent. Ils sont pour moi parmi les 4 favoris que j'ai cités avant, ceux qui sont les plus favoris pour s'imposer lors de cette compétition. Et c'est donc sur cette information, sur mon pronostic, que cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires l'équipe dont vous pensez qui a le plus de chances de remporter cet Euro 2020.
Et pour moi, je dis une nouvelle fois merci au site Libération qui nous a proposé cette petite simulation de l'euro. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, vraiment c'était très sympa. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si elle vous a plu, ça fait très très plaisir, ça me permet vraiment de grimper en abonnés, c'est très sympa. En attendant, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos.